C'est quelque chose de personnel, le couple. Vous avez plein de gens qui sont en couple et qui ont zéro vie, et plein de gens qui ont des vies et qui ne sont pas des couples. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. Bon appétit si vous nous écoutez. Alors que vous êtes en train de manger, alors ça dépend à quelle heure l'émission est diffusée. Et nous allons parler du couple aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Christian Richaume. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous venez de m'apprendre que vous avez une double casquette, donc c'est tout ce que j'aime chez les gens, ça. Et une de vos casquettes, c'est que vous êtes psychanalyste et thérapeute à Paris, spécialiste dans les troubles de l'anxiété, les dépressions, les addictions et les troubles affectifs. Vous, votre truc, c'est de recevoir des personnes de tout âge qui ont des problèmes amoureux. Des problèmes affectifs. Affectif, plus, oui. Plus qu'amoureux. Oui, parce que ça peut être aussi le social. Ce que j'appelle le social, ça veut dire des difficultés avec ses amis ou tout type de relation avec les autres. Mmh. Dès qu'on met une relation avec quelqu'un, il y a un peu d'affect. Alors, vous publiez aujourd'hui « Psychologie de la rencontre amoureuse » aux éditions du Net. Vous avez construit une loi empirique qui se résume à 6 semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans votre loi ? 6 semaines, c'est une moyenne. Pour déterminer le profil affectif de la personne avec qui on est en face. Quand on se rencontre, il y a une phase de séduction. Mmh. Il y a la surprise, il y a la curiosité. On peut être aussi aveuglé. Et on peut très vite développer des sentiments, de l'attachement. Mais on développe de l'attachement et des sentiments avant de connaître la personne. De savoir quel type de profil elle a. Est-ce qu'elle est compatible avec moi ? Est-ce qu'elle a le même besoin ? Est-ce que son réservoir d'amour se remplit de la même façon que moi? Est-ce qu'elle est capable de me donner ce dont j'ai besoin? Donc 6 semaines, c'est une durée pour avoir des éléments sur la personne et pas rentrer dans une relation où on va essayer de forcer. Et c'est ça ce que vous appelez le pré-couple? Ou c'est encore autre chose? Le pré-couple, c'est ceux qui décident d'être ensemble sans être ensemble. Alors, expliquez-nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des lois différentes sur l'engagement. Le pré-couple, ça peut être aussi le couple ouvert. C'est une façon, on a un engagement, mais il n'est pas forcément global, exclusif, ou il peut être progressif. On se voit, on passe du bon moment ensemble, hein, mais pour l'instant, on ne va pas plus vite. Alors, on va essayer de définir précisément ce que c'est qu'être un couple aujourd'hui en 2023. Et une question que vous posez, être en couple, est-ce que c'est la même chose qu'être un couple ? Bah, vous avez déjà la réponse à la question. Un couple, c'est une vie, c'est une dynamique. Il y en a qui se décident d'être un couple. J'ai des patients qui se rencontrent, se plaisent, n'ont même pas de relation des fois, et décident, allez... Quand vous dites de relation, vous parlez évidemment de relation sexuelle. Exact. D'accord. Parce que vous dites que c'est pas obligatoire. Exact. Et ils se réunissent et ils disent, est-ce qu'on est un couple ? Et ils officialisent le fait qu'ils sont un couple. Socialement et entre deux. Et puis vous savez très bien qu'il y a aussi des gens qui ont plein de relations sexuelles et qui ne sont pas pour autant un couple. Donc ça dépend de ce qu'on y met et de comment on le vit, de ses propres définitions. C'est quelque chose de personnel, le couple. Vous avez plein de gens qui sont en couple et qui ont zéro vie, et plein de gens qui ont des vies et qui ne sont pas des couples. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on se met en couple aujourd'hui? Alors il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'homme est un animal social. Donc il a intérêt à se mettre en couple parce qu'il récupère, par l'interaction, quelque chose qui le valorise, qui lui remplit son estime de soi et qui fait qu'il est bien. On a vu à travers le Covid toute cette accélération qui fait que les gens qui se sont sentis seuls ne veulent plus l'être. On a aussi une idée, disant que, ça c'est courant dans le langage de nos jours, je ne veux pas finir seul. Comme si c'était une punition ou que c'était juste avant la mort ce qui était difficile. Alors on s'engage où on veut s'engager. Au forceps des fois. Malgré la bonne personne ou la mauvaise personne qui est en face de nous. Ou on reste dans un couple dysfonctionnel parce qu'on a peur d'être seul. Mmh. Alors il y a beaucoup de, et c'est ce que vous écrivez dans votre livre, hein, beaucoup de mythes autour du couple, hein, et des croyances qui sont plus ou moins fausses sur le couple. Quelles sont les croyances plus ou moins fausses sur le couple ? Ben, on a eu une période entre 6 et 11 ans où on vivait un monde très stable. Et là, on a toute notre culture, plus ou moins, qui nous a imprégnés. Notre culture, c'est l'image du couple, papa et maman, celle qu'on a vécue,
constamment. Mmh. Et puis celle qu'on a vue dans les films. Notamment petit, avec Walt Disney, le prince, la princesse. Ensuite, on a les mythes de notre histoire, de notre littérature, qui fait que l'amour, c'est quelque chose de grand, qui dépasse tout, même qui peut être destructeur. Parce que des fois, les belles amours, il y en a un des deux qui meurt. Et on se fait cette idée. À beaucoup de femmes ont l'idée d'un prince charmant, encore aujourd'hui. Et de celui, alors pas le prince charmant de celui qu'on voit en collant et en tutu, mais avec son cheval, bien sûr, on est quand même... Mais de celui qui va leur permettre de trouver l'amour. L'amour, le grand, le parfait, celui qui est un idéal. Mais on peut déchanter parce que la réalité peut être différente. Et vous dites que vous, que le couple amoureux, c'est avant tout un système auto-référentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah parce que c'est lié à vous. C'est-à-dire ? Ça veut dire que votre notion de couple, c'est lié à votre construction. C'est lié à votre histoire. Ce que vous avez observé dans votre vie, vous voulez le reproduire. Ce que vous avez détesté, vous voulez le supprimer. Mmh. Et vous créez vous-même votre propre profil affectif par rapport à votre contexte, votre environnement et vos expériences. Par exemple, prenons une femme de 30 à 35 ans. Elle a vécu 2-3 ruptures parce qu'elle s'est fait tromper. Sa notion de confiance va être complètement rebasculée. Donc quand elle va rencontrer un nouveau partenaire, ça va être un point crucial. Et elle va commencer une relation avec une confiance qui est très très basse. Notre profil affectif peut bouger en fonction de nos expériences. Mmh. Et donc du coup, ma façon de voir l'amour, ma façon de voir le couple est liée à mon histoire. Vous avez des, vous avez quoi ? Vous avez un référentiel pour faire, pour construire un profil affectif ? Comment vous faites ? Vous avez quoi ? Une batterie de questions ou une, Oui. J'ai un petit test qui permet de mesurer ce que j'appelle le taux d'anxiété et le taux d'évitement. Et je fais un petit graphique que je croise entre anxiété et évitement. Ça me permet de faire une première analyse du comportement de la personne entre 4 catégories. Les sécures, les attachants, les craintifs évitants et les détachés. Hmm. C'est des grosses cases. Ensuite, dans la case, on affine en fonction de la personne et de son histoire. Il ne suffit pas de mettre quelqu'un dans une case et de l'enfermer, parce que chacun d'entre nous, on est individuel et on a notre propre histoire. Donc, on peut mettre un premier mot et ensuite on affine par rapport à l'histoire de la personne. D'accord. Et alors, donc, en fonction de son profil, il y a des profils qui vaut mieux pas rechercher ? Non. Il n'y a personne... Qu'est-ce que vous en faites de cette indication alors ? Alors, on explique pourquoi les relations précédentes ont peut-être produit un échec et on affine... c'est déjà important pour la personne qu'elle se connaisse mieux. Et qu'ensuite on lui dise ou qu'on lui propose ce qui est bon pour elle en termes de partenaire. Je vous donne un exemple. Les personnes qui sont anxieuses vont chercher un partenaire très sécure. Mais souvent elles ne tombent pas sur un sécure, elles tombent sur un évitant. L'évitant au premier abord est quelqu'un qui sait se gérer, qui a une estime de soi, qui présente bien. Donc du coup elles se disent tiens, avec lui, mon anxiété va être réduite. Sauf que cette personne... comme elle n'est pas anxieuse, va pas comprendre le fait que la femme, par exemple, soit anxieuse. Donc il ne va pas devancer ses attentes, il ne va pas les comprendre et il ne va pas y répondre. Et puis, il va continuer son mode de fonctionnement. Ce qui fait qu'elle va avoir l'impression, elle, de courir toujours derrière lui. Ce qui va augmenter son anxiété. La première erreur, c'est quand on est anxieuse, on veut trouver quelqu'un de sécure, ben, il faut trouver quelqu'un d'anxieux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partager les... Alors vous voyez, c'est qui se ressemble, s'assemble. Non. On se complète. C'est quelqu'un qui est capable de me comprendre. Donc du coup, quand j'envoie des signaux, il les reçoit. Ou il peut les anticiper. Si quelqu'un est différent, il ne reçoit pas le signal et il ne peut pas le comprendre. Bon, ça c'est important ce que vous venez de dire. Donc, quelqu'un qui est anxieux doit rechercher un partenaire qui est anxieux. Un petit peu, oui. Il faut une dose d'anxiété chez l'autre. Parce que ça permet qu'on puisse se comprendre. Et on nourrit pas ces anxiétés réciproques ? Non, elles peuvent s'annuler. Elles peuvent s'annuler. Si j'ai besoin que mon partenaire me prouve qu'il aime, qu'il m'aime, et que je peux nourrir une anxiété par rapport à ça, si je suis anxieux, je peux avoir peur de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur, mauvaise estime de moi, peur du rejet. Toutes ces peurs-là, je peux les avoir. Et je peux demander ou espérer que l'autre m'envoie des signaux assez constants pour que ces peurs-là s'attisent en moi. Elles se calment. L'autre, s'il vit la même chose,
il va peut-être faire le premier pas. Ou en tout cas, quand je vais lui demander quelque chose, il va dire je comprends. Parce qu'il vit un peu la même chose. Un peu la même chose. Si vous êtes quelqu'un étranger à la peur du rejet, quand j'exprime ma peur, vous dites ok, c'est bien, mais bon, je t'ai dit que je t'aime, calme-toi. Et du coup, il y a une incompréhension. Oui, alors en plus de ça, il faut quand même être empathique et être à l'écoute de l'autre. Déjà, au moins écouter ce que l'autre a quelque chose à dire. Dans les couples, tout le monde n'est pas toujours à l'écoute. Exact. Les personnalités et les attentes des hommes et des femmes sont différentes. Et l'écoute est sur des leviers différents. Ça veut dire que si on fait des catégories, les femmes sont beaucoup plus dans l'écoute que les hommes. Bien sûr, je parle en général, chacun est individuel. Mais une femme, quand elle a une difficulté, elle est plus dans le partage. Elle n'attend pas forcément que son partenaire lui donne des solutions, mais elle partage le problème. Elle veut, par exemple, communiquer là-dessus. L'homme, souvent, quand il a une difficulté, il essaie de la gérer parce qu'il a du mal à montrer qu'il a des faiblesses ou qu'il a une difficulté. Donc, il le gère dans son coin. Et il revient quand c'est géré. Vous voyez, c'est la pièce de théâtre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. On a deux mondes qui peuvent se cogner. Si chacun ne comprend pas comment l'autre fonctionne. Si moi j'ai un problème, je voudrais qu'on me laisse tranquille. Mais ma partenaire va venir me voir et me dire « T'as un problème? Tu veux qu'on en parle ?» Et rien que ça, ça va m'énerver encore plus. Par contre, moi, si je vois qu'elle a un problème, je me dis « Tiens, je vais la laisser tranquille. » Et elle va dire « Le salaud, j'ai un problème, il n'est pas là. » Alors il faut essayer de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre. Là, c'est deux exemples, c'est deux caricatures, mais l'autre fonctionne autrement. Alors, c'est pas des caricatures, parce que c'est effectivement ce qui se joue en couple, avec un qui va se plaindre que l'autre ne s'intéresse pas, ne l'écoute pas, et l'autre va dire, non, de toute façon, lui, il parle pas. Oui. J'aime pas dire ça, mais en statistique, les femmes, c'est 6 000 mots par jour. En moyenne. Il y en a qui peuvent être moins, mais il y en a qui peuvent développer le score. Les hommes, c'est 3 000. Et viennent d'où vos statistiques? C'est qu'on a écouté les gens. On a écouté les gens et on a essayé de mesurer tout ça. Et s'il y a un homme et une femme qui parlent au bout de 3 000 mots, il y en a un qui est plein. Et l'autre qui est à mi-parcours. Et oui, je ne reçois pas Lacan aujourd'hui puisque je reçois Christian Richaume qui est psychanalyste et thérapeute spécialiste dans les troubles de l'anxiété. C'est pour ça qu'on parlait d'anxiété tout à l'heure, de dépression et des addictions et des troubles affectifs qui publie Psychologie de la rencontre amoureuse aux éditions du Net. Et vous disiez tout à l'heure, puisqu'on disait que les femmes peuvent parler jusqu'à 6 000 mots jour, que vous connaissez certains de vos patients qui sont largement au-dessus. Exact. Mais c'est important, et ça j'encourage, d'exprimer son ressenti, d'exprimer ses émotions. De savoir aussi les comprendre et aussi de trouver au-dessus, on a, les émotions c'est un iceberg, ça veut dire qu'il y a la partie visible et il y a celle qui est invisible. Dans celle qui est invisible, c'est ce qui est les causes et c'est ce qui est aussi notre inconscient, et c'est important de connaître un petit peu ce qui se passe en dessous. Ça nous permet de mieux gérer au-dessus et d'apprendre sur nous-mêmes. Alors le couple parfait est un mythe, pourquoi? Vous en connaissez? Ouais. Enfin, pas parfait, mais bien, idéal. Non, bien. Ça veut dire que ce sont des gens qui se complètent, qui ont des profils affectifs qui sont compatibles et que chacun laisse la place à l'autre. On est dans le respect, on est dans la confiance et vous me rajoutez des sentiments. C'est ça. Ça, on peut dire que c'est un couple parfait. Mais un couple réel, ce sont tout ça, plus des hauts et des bas. Et des hauts et des bas qui se gèrent. On n'a pas trop de difficultés à gérer les hauts. Mais les bas, dans la vie, c'est important. Le secret du couple, c'est qu'il n'y a pas de secret. Exact. Parce que sinon, il y aurait une recette et il faudrait juste l'appliquer. Et s'il n'y a rien de personnel. Il y a beaucoup de coachs en amour aujourd'hui. Oui. Avec des recettes. Oui. Mais ce qui est important, c'est qui vous êtes. Si je vous donne la recette pour rencontrer quelqu'un, mais que cette personne ne vous corresponde pas. Ce qui est important, pour rencontrer quelqu'un, c'est un, d'être prêt, et deux, de se connaître. On essaie de connaître l'autre, mais il faut savoir quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Vous, ce que vous attendez d'une personne. Il faut le définir. Et aussi, quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous appelez un couple? Qu'est-ce que vous appelez la confiance? Qu'est-ce que vous appelez le respect? Et ensuite, quand vous êtes prêt avec tout ça, vous pouvez vous confronter à quelqu'un en espérant qu'il fasse le même boulot et on peut échanger. Alors vous allez être rassuré parce que l'autre n'est pas unique.
Exact. Il y a plein d'autres qui vous correspondent et il y a plusieurs bonnes personnes pour soi. Oui. On a toujours l'impression que l'autre est unique, oui. qu'il est quelque part et qu'il faut chercher cet autre unique. Non, mais vous avez dit le mot juste, on a l'impression d'eux. Hmm. Imaginons que votre partenaire idéal soit en Australie en 1852. Bah, je suis désolé pour vous. Hein. Je suis désolé pour vous. Non, mais là, vous prenez l'extrême. Non, mais non. Ça veut dire que si il ou elle est loin et déjà décédé, bah, il ne faut plus qu'attendre. Alors là, je vous laisse croire à une autre vie. Moi, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait ? S'il est vivant, si la personne est vivante, d'accord ? Et que la personne vit en Australie. Mmh. Parce que ça existe, ce qu'on appelle les longues distances relations. Il y a des gens qui croient dur comme fer à ce genre de relations, longue distance. Mais je réponds à votre question. Il y a, à mon sens, 7 à 16% des gens qui vous correspondent. Dans les types de profils de personnalité. C'est super encourageant ce que vous dites, en fait. Ah oui. Oui, ça dépend. Si vous regardez 7 ou 16, quand je dis ça, il y en a qui me disent qu'il y a quand même 80 qui ne me correspondent pas. Ah non, je trouve ça beaucoup. Alors là, non. Donc, dans ces pourcentages, vous avez un groupe de personnes qui vous correspond. Dès que vous en trouvez une de ce groupe, elle est compatible avec vous, vous échangez, vous êtes amoureux, vous êtes attaché. Vous ne voyez plus les autres. Vous ne voyez plus les autres du même groupe et vous n'êtes même plus en quête puisque vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Donc, les gens de ce groupe qui pourraient vous plaire, vous ne les voyez plus, ils ne vous intéressent plus. Ce qui renforce l'idée que la personne que vous avez trouvée est unique. Et en plus, vous êtes bien avec elle. Oui, parce que la vérité, c'est ça. C'est que la bonne personne, c'est la personne avec qui on est bien. Exact. C'est celle qui vous fait ressentir du bien-être, celle où on minimise la souffrance et qui vous permet d'avancer. Autre idée reçue, l'âme sœur n'existe pas. C'était pour faire un bon mot que vous avez écrit ça? Oui, ouais. J'ai la même réponse. La même réponse. L'âme sœur, ça veut dire que, grosso modo, j'ai une seule personne qui me correspond. J'ai une catégorie de personnes qui me correspond, et dans cette catégorie, je peux avoir plusieurs variantes, et ça marchera. Sinon, vous imaginez, tous ceux qui sont en couple, c'est le loto, et pour les autres, c'est la galère. Alors, autre mythe, c'est qu'il existe un bon timing amoureux. Oui. Oui, il y a... Je ne suis pas amoureux, ce n'est pas le moment. Mais c'est possible. C'est possible. Je le vois à travers mes expériences de patients. Quand ils ont une rupture, il y a ceux qui, tout de suite, veulent retrouver un partenaire. Et puis, il y a ceux ou celles qui veulent attendre. En fait, il y a un deuil après une relation. Donc, il faut respecter ce deuil en fonction de soi-même. Qu'on ait décidé de rompre ou qu'on ait été quitté, il faut respecter ce deuil. Déjà. Donc c'est une question de timing. Et ensuite, il faut rencontrer quelqu'un qui est aussi prêt dans une relation. Imaginons que je sois prêt, mais je rencontre quelqu'un qui n'est pas prêt. Je vais forcer. Ou elle va se forcer. Et du coup, on va être en décalé. Et c'est ça qui est important. Le timing, ça veut dire que moi, je suis prêt. Je sais ce que je veux et ce qui m'attend. Et j'ai fait le deuil de mes relations passées. Et le deuil de mes relations passées, c'est au niveau affectif. Et l'idéal, c'est de comprendre aussi ce qui n'a pas fonctionné. Oui, parce que finalement, en thérapie, vous recevez peut-être plus de gens qui sont séparés ou qui ont l'impression d'avoir raté quelque chose dans leur couple, c'est ça ? J'en ai aussi en couple. Ah, qui sont encore en couple ? Et oui, j'en ai soit j'ai des personnes qui sont séparées, qui essaient de se reconstruire, donc qui viennent me voir pour gagner en confiance, pour faire le bilan par rapport à leur expérience passée, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et puis j'en ai plein qui sont en couple et qui essayent de me faire rentrer soit des ronds dans des carrés, soit d'améliorer leur relation. Et ça, c'est quand on part au départ avec des profils un peu différents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on peut être très vite amoureux, mais on peut avoir des profils différents. Alors après, sur le temps, on s'aperçoit que c'est pas la compatibilité, c'est qu'il y a, y a des couacs. Non, au début, il y a les papillons dans le ventre. Mais ça, c'est très important. Il y a des gens qui n'aiment que cette période-là, d'ailleurs. Exact. La période des papillons dans le ventre. Hein. Oui, parce que ça leur fait sentir des émotions fortes. Et après, ils se disent, moi, je ne veux pas vivre le quotidien, je ne veux pas vivre ce qui est plat, donc je recommence une nouvelle relation. En gros, ça dure combien de temps, les papillons ? Est-ce que ça, c'est mesuré ? Parce que vous avez mesuré le nombre de mots, donc on peut mesurer les papillons. Hein. Ah,
C'est 2-3 mois, non c'est... Ouais, c'est une bonne moyenne de 3 mois. Mais il y en a qui peuvent poursuivre ça, voire une année, voire deux. Donc ça, c'est ce que, qui correspond à l'état fusionnel Exact, l'état 1, l'état fusionnel. Ça veut dire qu'on est 1 plus 1 égale 1. J'ai envie de tout faire avec toi. Dès que tu n'es pas là, tu me manques. J'ai besoin de toi parce que pour l'instant, tu me nourris, tu me fais du bien. Et je n'ai pas envie de te perdre aussi. Et je mise tout sur nous. Donc ça veut dire que je vois un peu moins mes amis, je fais un peu moins mes activités. Mais dès que tu es disponible, je me rends disponible pour toi. Alors c'est marrant parce que vous avez commencé à faire l'addition, 1 plus 1 égale 1. On peut souvent mettre le couple sous forme d'addition. Hein. Quelles sont les différentes additions qu'on peut faire? C'est pour ça que... Ça dépend du résultat finalement. Oui, mais 1 plus 1 égale 1, ça c'est la première phase. Et on a envie de dire qu'un couple c'est deux personnes, donc ça fait 2. Et je dis que non, on a oublié quelqu'un. Deux personnes, ça veut dire que c'est toi et moi. Et il est important qu'il y ait le toi, le moi et le nous. Être un couple, c'est ne pas s'oublier. C'est continuer sa propre expérience personnelle, mais avec quelqu'un. Donc si je m'oublie, il y a un problème dans le couple. Et si je pense qu'à moi, ça devient compliqué pour un couple. Donc 1 plus 1 égale 3. Je me nourris, tu te nourris, on se nourrit. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je vous avais invité. Je vous ai invité parce que vous avez parlé des 5 langages de l'amour. Ah bon, il y a 5 langages dans l'amour? Au moins. On a identifié 5, peut-être plus. Alors, quels sont les 5 langages de l'amour? Alors, on a tous une façon dont on aime être aimé. Ça dépend de notre histoire. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent marcher. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir des compliments. Il y en a d'autres qui sont très gênées d'en recevoir. Il y en a qui détestent recevoir des compliments, mais il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Justement, on ne va pas aller au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire de détester recevoir des compliments? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer les compliments? Imaginons que je dise à ma femme qu'elle est jolie. Voilà. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de compliments dans sa vie. Elle ne va pas le recevoir. Elle n'a pas eu de compliments, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas quoi en faire. Donc, ça passe, je tire à côté. Si elle n'a pas confiance en elle, je lui envoie le compliment, mais ça ne marche pas, parce qu'elle a mis un écran. Par contre, si c'est une autre personne, et qu'elle a besoin que je lui dise qu'elle est belle pour se sentir aimée de moi-même, et que je ne lui dise pas, je commets une erreur. Donc vous voyez, en le faisant ou en le faisant pas, à chaque fois, je ne suis pas sûr de toucher ma cible. Pourtant, moi, si je fais un compliment, j'ai l'impression de faire quelque chose de bienveillant, et je suis quelqu'un de gentil. Le compliment bienveillant, ça veut dire qu'il n'est ni hypocrite, ni j'attends quelque chose en retour. C'est réfléchi, c'est pensé. C'est voilà. Pas, voilà. Je te fais un compliment, et c'est juste parce que j'ai une émotion et je le ressens. J'attends rien en retour. Mais la personne, ça se trouve, elle ne prend pas le cadeau. Et moi, j'ai l'impression de dire plein de choses et de faire plein de choses. J'ai l'impression même, j'utilise dans un couple souvent le mot, je fais des efforts. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait des efforts et que ça ne marche pas? Eh bien, moi, j'en fais plus. Ou, tu ne me donnes pas ce que je veux, je ne te donne pas ce que tu veux. Et ensuite, on est là à se lancer le ping-pong, à se dire, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, etc. Et on ne vit plus la relation, on est dans une impasse, et on se rejette la faute. Donc, une des catégories, c'est par exemple les compliments, les paroles valorisantes. Une autre catégorie, ça peut être les cadeaux. C'est tous les gestes qu'on peut faire envers l'autre. À votre anniversaire, vous avez peut-être envie soit d'un cadeau, soit de passer tout simplement un moment avec vos proches. Il y en a qui vont choisir l'un, il y en a qui vont choisir l'autre, sans jugement. Il y en a qui disent que si tu m'offres un cadeau, c'est que tu as dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, et que je garde quelque chose que tu m'as offert à moi. Tu m'as offert une bague, et ben cette bague, je la porte, et à chaque fois que je l'ai, je sais que tu as pensé à moi. Ça, c'est les cadeaux. Il y a les bons moments. Les bons moments, c'est ceux qu'on partage à deux. On est tous les deux, on est synchrone, on est peut-être même dans une bulle. C'est quand on va au resto, c'est quand on fait une expo, quand on se balade, quand on fait n'importe quelle activité, ou même regarder un film, mais ensemble, pas chacun de son côté, ou etc. Et là, je partage, je suis connecté avec toi. Donc ça, c'est ce qui me montre que tu m'aimes. Ou c'est ce dont j'ai besoin que tu me montres. Et on parle du couple avec mon invité ce matin, Christian Richaume, qui est psychanalyste et thérapeute du couple et qui publie Psychologie de la rencontre amoureuse aux éditions du Note. On était en train d'évoquer les différents langages de l'amour. On en a vu 3.
Il en reste d'autres, Christian. Il en reste deux. Oui. Le quatrième, ce sont les services. Les services, c'est que j'attends que mon partenaire, dans sa façon de m'aimer, m'offre des services. Les services, ça peut être tout ce qui est lié au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément le ménage, la cuisine. C'est tout ce qu'il peut faire dans mon quotidien. Par exemple, si je dois aller chez le médecin et qu'il ou elle décide de m'accompagner, ça, c'est un service. Donc, par cet acte-là, je vois qu'il m'aime. Et donc, c'est très important parce que je peux attendre qu'il fasse cela pour remplir mon réservoir. Ça, c'est la quatrième catégorie. La cinquième catégorie, c'est ce que j'appelle l'attraction physique. Il y en a qui se sentent aimés quand ils sont en contact avec l'autre. En contact physique. Vous avez remarqué peut-être que dans la rue, il y a des couples qui se tiennent par la main, d'autres pas. Il y en a, ils n'ont pas besoin de se tenir par la main. Il y en a qui ont besoin d'avoir ce contact avec l'autre. Par exemple, de vous sentir, de vous prendre dans les bras. Quand on dort, il y a deux personnes qui peuvent s'aimer et dormir chacun dans son coin, mais il y en a un qui, peut-être, qui aime dormir contre l'autre. Quand on regarde un film, être contre l'autre. Ce contact physique qui va jusqu'au rapport sexuel, mais qui peut être juste du simple baiser ou du câlin, ça montre, par ce geste, que tu m'aimes. Si tu es pas en contact physique avec moi, je pourrais percevoir que tu n'es pas amoureux de moi, ou que tu m'aimes pas, ou que tu me désires pas. Donc c'est une catégorie qui est importante. Dans ces cinq catégories, il y a des choses que l'on fait. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'aimais. Je suis peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de compliments, ou beaucoup de cadeaux, ou qui essaie de passer du temps avec quelqu'un, ou qui rend des services, ou qui est très physique. Peut-être que je fais un peu de tout, ou plus des choses. Si on revient sur l'exemple des compliments, si dans ma vie, dans mon enfance, j'ai pas eu un milieu éducatif autour des compliments, c'est pas un mode que je connais. Donc, je vais dans une relation où je vais pas utiliser ce mode-là. Ça, c'est ma formation, ce que j'envoie à l'autre, avec différents facteurs. Et puis, il y a ce dont j'ai besoin. Ce qui est des fois la même chose, mais des fois différent. Des fois, si j'ai besoin de services, je vais émettre des services. Mais des fois, j'ai aimé des services, mais j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut que deux personnes se comprennent. Que par exemple, vous êtes capable de m'envoyer quelque chose et que moi, je ne dois pas vous rendre la même chose. Si par exemple, je donne un exemple très simple, mais ça me fait sourire, les hommes peuvent offrir des fleurs aux femmes. Et pour la plupart, ça peut leur satisfaire. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont dire « Non, mais moi, les fleurs, c'est très commercial. » Et puis ça fane. Ou quand ça fane, ça me rend triste. Il y a celle qui va dire merci. Et puis il y a celle qui va sauter au plafond, qui va même la mettre sur sa table de nuit. Et donc, les hommes peuvent et savent qu'ils peuvent faire ce genre de choses pour les femmes. C'est un peu ancré dans le code de la séduction. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui espèrent la même chose en échange. Il y a certaines femmes qui le font, mais c'est assez rare. Mais quand un homme offre des fleurs à une femme, il ne se dit pas « le prochain coup, j'espère qu'elle m'offre des fleurs. » Non, on peut émettre quelque chose et attendre autre chose. Non, mais faut soyons fous. Tout est possible. Oui. Et puis ça dépend des quelles fleurs. Non, ça fait plaisir, les fleurs. Ah, ça, c'est un autre problème. L'homme, il doit choisir les bonnes fleurs. Ou la femme. Alors, en général, il y a un bon fleuriste en disant « Voilà, qu'est-ce que vous offriez, vous ? Voilà, j'ai un budget de temps. Faites-moi un gros bouquet. » Alors, l'homme, quand il se réveille le matin, il se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Il se dit « Je vais offrir des fleurs. » Et il a l'impression d'être un héros. Il se dit « Putain, j'ai eu l'idée du siècle, je suis trop fort. » Et là, il arrive chez le fleuriste et il se dit « Merde, lesquelles fleurs ?» Et là, il est presque prêt à renoncer. Mais, statistiquement, il y a plus de chances que chez le fleuriste, ça soit une fleuriste. Alors il dit « S'il vous plaît, madame, pour ce budget, faites-moi un bouquet d'une femme à une femme. Ça devrait, si c'est vous qui le faites, comme ça, ça vous plaît, ça devrait plaire à une femme. » Du coup, il fait ça. Et il arrive chez sa promise. Mais il passe par la rue. Vous savez, un homme avec un bouquet de fleurs, c'est pas une démonstration de testostérone. Ça veut dire que quand il passe dans la rue, il a l'impression d'être en collant, en tutu, d'être un Don Quichotte. En plus, il y a d'autres. C'est des clichés. Ça. C'est des clichés, mais il y a des femmes aussi qui lui disent non, mais elle a de la chance. Elle a trop de chance. Moi, ça fait longtemps qu'on m'en a pas offert. Ça le valorise, mais il est un peu gêné. C'est pas, voilà. C'est pas la même dimension que quand il sort de sa salle de sport. Et il arrive chez la femme, et comme je vous l'ai dit, il peut avoir trois types de réactions.
Alors, s'il imagine qu'il a eu l'idée du siècle, que grâce à son astuce, il a trouvé le bon bouquet, qu'en plus il a traversé la rue, qu'il est arrivé et qu'il est chez la femme qui lui dit « Ah, merci beaucoup, mais moi les fleurs, je les aime pas parce que ça fane. » Mais le coup d'après, il fait plus rien. Ça lui coupe l'envie de faire cette initiative, mais d'autres. Et là, comme il l'a visé mal, mais il a été bienveillant, il a voulu faire quelque chose de bien, mais il a visé mal, ça lui coupe l'envie de tester d'autres domaines. Et il va se dire, ok, j'ai fait un truc, elle ne l'a pas pris, j'attends que ça soit elle qui bouge. Et on est ensuite dans une... On n'est plus dans une dynamique. On est dans du statique, à regarder qui fait quoi dans le couple. Pourquoi les hommes ont-ils plus de difficultés que les femmes à dire je t'aime ? Parce que pour certains, c'est une fragilité. Bêtement, une femme, quand elle est petite et qu'on lui dit, quand elle souffre, on lui dit « Exprime-toi, pleure un bon coup, dis ce que tu as sur le cœur. » À beaucoup de garçons, aujourd'hui on dit un peu moins, mais on l'a dit à leur père et on l'a dit à leur grand-père, « Pleure pas, sois fort, t'as pas mal. » Avec ces petits mécanismes, on apprend à l'un à exprimer ses émotions. « T'as une émotion, dis-le. » Et à l'autre, « Non, il n'y a pas de problème, rien à voir, circule. » Et puis l'homme, quand il veut se présenter face à sa femme, eh ben, il a envie d'être fort. Et avoir des sentiments, c'est jouer sur sa force. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui pleurent, il y a des hommes qui sont effondrés en amour. Et ça, on le sait, on le voit dans le film et on le sait dans la réalité. Et du coup, pour eux, c'est très gênant. Parce que l'image qu'ils veulent donner, c'est quelqu'un de fort. Alors du coup, ils ne veulent pas tout de suite le dire parce que c'est une question émotion. Et puis, il y a un deuxième facteur. Dans l'engagement, la femme est tout de suite plus prête que l'homme. La femme, dans le couple, veut avoir plus vite ce renseignement. Donc des fois, elle devance l'état de l'homme. C'est-à-dire qu'elle lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et lui, en fait, il n'en est pas encore là. Parce que s'il le dit, ça veut dire qu'il s'engage. En tout cas, émotionnellement, pas encore matériellement, mais émotionnellement. Et peut-être qu'il n'en est pas encore à cette distance-là. Elle est plus rapide. Donc elle le bouscule, donc là il n'a pas de réponse. Mais il y a plein d'hommes qui disent je t'aime. Des noms. Aimer et être aimé, c'est pas la même chose. Non. C'est-à-dire. En fait, beaucoup de patientes arrivent chez moi et me disent je veux trouver l'amour. Je veux. Je veux trouver l'amour. Ah. Hein, ou alors voilà, je veux aimer quelqu'un. Je ne veux pas finir seul, je veux aimer quelqu'un. Alors je dis, vous vous trompez. Pas d'endroit, vous êtes au bon endroit. Mais je leur dis, non. Ce qu'on aime, c'est être aimé. C'est vrai ? Ouais. Ce qui est très important. C'est pas aimer. Non. C'est être aimé est plus important que d'aimer. Exact. C'est être aimé. C'est pour ça qu'on cherche quelqu'un. On lui donne ce qu'on voudrait recevoir. On lui donne de l'amour parce qu'on veut en recevoir. Et ça, c'est vital pour nous. C'est vital pour notre estime de soi, c'est vital pour toutes les épreuves qu'on peut faire dans la vie. On a besoin de ressentir ce sentiment. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y en a qui misent tout sur le partenaire. On peut être aimé par ses collègues. Ce n'est pas forcément de l'amour, mais on a des collègues qui peuvent nous apprécier. On est aimé par ses proches, on peut avoir des enfants, on peut avoir cet amour. On peut avoir plein de formes d'amour. Des gens qui nous reconnaissent. Et bien sûr qu'on peut avoir un partenaire. Mais on est déjà aimé en fait. Il faut juste ne pas l'oublier. Et puis, il faut s'aimer soi-même. Si je ne m'aime pas et que je demande tout à l'autre, je ne sais pas comment il va faire. En tout cas, il doit bosser pour deux. Ce n'est pas sympa. Mais je dois m'aimer moi aussi. M'accepter tel que je suis, avec des qualités et des défauts. Je ne suis pas parfait, l'autre non plus. Mais j'ai des choses en moi qui sont bien. Alors, il y a beaucoup de thématiques dans votre livre. J'aimerais qu'on parle de la compatibilité amoureuse. Comment savoir si notre relation est compatible et comment évaluer les signes qu'il y a une compatibilité amoureuse ? Alors, il y a plusieurs façons de prendre le système, de répondre à votre question. Il y a la question des sentiments, sauf que ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui me disent « j'ai l'impression que je l'aime plus qu'il m'aime ». C'est une question d'expression. La compatibilité, elle est aussi sur la notion de respect et de confiance. Est-ce qu'on a la même notion du respect et la même notion de la confiance? Ça, c'est important parce que sentiment, respect, confiance, pour moi, c'est ce qui forme la base d'un couple. Sentiment, respect, confiance. Exact. Vous mettez les valeurs où dans l'histoire?
dans respect et confiance, et aussi dans l'amour. Mais voilà, pour moi. Et ensuite, compatibilité, c'est sur ce que on est capable d'échanger sur nos attentes. Comme on vient de le voir avec le langage de l'amour, je peux, par exemple, avoir besoin d'une des cinq catégories. Si je suis capable de l'exprimer et si je suis capable de vous le dire, est-ce que vous êtes capable, vous, de m'envoyer ce signal-là? Ou alors, c'est impossible pour vous. Il y a des belles histoires d'amour qui finissent mal en disant « Je t'aime, mais je ne suis pas capable de te donner ce que tu veux. Alors je te rends ta liberté. » Entre guillemets, j'aime pas trop cette formule, « Rends ta liberté », ça ne veut pas dire qu'avec moi, tu étais en prison. Mais je ne suis pas capable de te donner ce que tu as besoin. Et c'est important. Oh, ça me fait penser au « C'est pas toi, c'est moi ». Moi, ça me fait penser à la route de Madison. La route. La route de Madison, oui. Le livre et le film. Ouais. Oui. Parce que c'est, voilà, c'est « Je t'aime, mais est-ce que je suis capable, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis capable de te donner ce dont tu as besoin ?» Et est-ce que c'est le bon timing? Vous voyez, ce film, il résume mal de vos questions. Mais, oui, mais si l'autre s'en plaint pas, pourquoi? Vous voyez, si l'autre n'exprime pas de besoin et n'en souffre pas. Oui, mais quand on est à deux, on pense à l'autre. C'est bien ça comme idée, non? Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai noté une petite dose d'empathie. C'est bien aussi de penser à l'autre et de se mettre à sa place, d'essayer de voir comment il réagit, etc. Mais si on dit à l'autre, je vois bien que tu es malheureuse, tout ça, mais si l'autre ne l'exprime pas, vous voyez ce que je veux dire? Bah, il l'exprime puisque vous le voyez. Il n'y a pas que les mots. Si vous arrivez à le percevoir, c'est qu'il l'a exprimé. Donc vous êtes déjà conscient de ça. Et donc ça, c'est une première étape. Souvent, la première étape, elle n'existe pas. C'est que je ne vois pas que l'autre n'est pas. Il y a des films, qui montrent que tout d'un coup, une femme, elle rompt avec un homme. Et elle lui dit, ça fait 6 mois que j'en peux plus de toi, ça fait 6 mois que j'ai tout essayé, je suis à bout là, je suis à bout, j'ai tout essayé. Et il lui dit, c'est quoi le problème? J'ai un film en tête, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est extraordinaire. Il réalise qu'il y a un problème. Vous voyez, elle, ça fait 6 mois qu'elle communique, elle essaye plein de choses, et lui, il ne voit rien. Là, il y a un problème. Mais si vous voyez que quelqu'un souffre, c'est que déjà, vous avez reçu le message. Maintenant, il faut passer à la phase 2. C'est comment on fait pour résoudre ça? Et est-ce qu'on est capable d'eux? Et la phase 3? Ben c'est le bien, la phase 3, c'est le bonheur. La phase 3, c'est quelque chose qu'il faut redéfinir tous les jours. C'est comme l'eau des fleurs. Une rencontre amoureuse, c'est quand on met le feu à la cheminée. On est super content, on a craqué l'allumette, ça prend le feu. Voilà. Après, il faut remettre des bûches. Le sens de la conclusion, hein. Moi, je vous le dis. Christian Richomme sur Beurre FM. Alors je rappelle que vous publiez Psychologie de la rencontre amoureuse. Il y a beaucoup de thématiques qu'on n'a pas abordées dans votre livre aux éditions du Net. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo de notre émission justement sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre invitation. Vous revenez quand vous voulez. Hein, avec grand plaisir. Christian. Et puis je vous souhaite de passer une très belle journée, tous et toutes, sur une belle journée santé sur Beurre FM.